Salut, aïe, le téléphone qui tombe. Aujourd'hui, petit tutoriel là-dessus. C'est aussi applicable sur la bleue parce qu'on va parler du step edit qui est pas trop chiant à utiliser quand on connaît la petite subtilité qui casse les couilles à tout le monde. Je pense que les gens qui galèrent avec le step edit, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils changent une note, ça change toute la séquence ou je sais pas quoi, tu sais. Je vais vous montrer comment pallier à ça, c'est très simple. Donc déjà, je vais enregistrer un truc. Merde, j'ai qu'une seule main, c'est impossible. Attendez, c'est quoi? Je vous pose et je l'enregistre. Voilà, du coup, la séquence, elle est enregistrée. Et imagine, tu veux changer une note ou un rythme, tu vois. Genre, t'aimerais changer un truc. Alors, je vais te montrer. Tu vois, dans le step edit, là, t'as toute ta séquence. Donc, imagine, tu veux que ça, là, bah plutôt ces deux trucs-là, ils soient là, et que ça, là, ça dure plus longtemps. Bah tu regardes la note qu'il y a là. Là, il y a un A dièse là, tu vois. Donc ce que tu commences par faire, c'est aller sur la note d'avant. Là, avec les flèches, tu vas tout à droite, tu as le gate time. Tu l'enlèves du taille. C'est en fait quand le gate time il est en taille, ça lie les notes entre elles, ça sert à lier les pads, tu vois. Et le fait que tu enregistres en mono, en maintenant les touches à chaque fois, ça met tout en taille. Et du coup, avant de modifier une note, faut enlever le gate time qui est en taille là, t'as vu? Du coup, bah, t'isoles la note que tu veux modifier. Hop, là, tu vois, cette note-là, elle est plus liée à celle-là. Et cette note-là, elle est plus liée à celle-là. Du coup, ces deux notes, elles sont toutes seules. Donc là, tu peux regarder la note qui assure les notes d'avant. Donc c'est un do là. Donc du coup, ta note qui est en la dièse, tu la remontes en do. Ensuite, tu retournes sur la note d'avant qui est là. Tu la remets en taille. C'est super chiant, hein, on s'amuse. Celle-là, tu la laisses en détail parce qu'on va changer aussi ces notes-là. Donc là, maintenant, c'est au bout, justement, on enlève le taille. Donc là, c'est bon, ces deux notes, elles sont isolées. On avait dit que c'était un la dièse qu'on voulait. Voilà. Là, on revient sur la note d'avant, on la remet en taille. On va sur la note d'après, on la remet en taille. Et maintenant, si on écoute. Et voilà.